السلام عليكم اعزائي التلاميذ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله بحول الله غادي يكون عندنا الدرس الثاني في سلسله ديال الدروس اللي تنقدموها لجميع التلاميذ ديال الاعدادي وخاصه التلاميذ ديال السنه الثالثه الاعدادي ولكن تلاحظ بان لي زابونمون مازال ما كاينينش بزاف وتلاحظ بان لي لايك كذلك ما كاينينش بزاف اذا تنتمنى باش تدعموا القناه ديالنا باللي لايك وبلي زابونمون ومرحبا بالجميع في القناه ديالنا اليوم ان شاء الله بحول الله غادي يكون عندنا الدرس الثاني بعد ما قدمنا الدرس الاول اللي كان خاص ب لا ليتر ادمنستراتيف او كونفونسيونيل اليوم عندنا درس تيهم Euh, la rédaction d'une lettre de demande d'autorisation donc ce euh, sera une pratique ce sera une application il y en a d'autres il y en a la lettre administrative la structure comment on, on écrit en général une lettre administrative il y en a d'autres qui l'ont vu on va une lettre de demande d'autorisation il y en a d'autres de la structure une lettre. ادمينيستراتيف دونك على بركه الله غادي نبداو الدرس ديالنا اذا نبداو على بركه الله الدرس ديالنا alors كوم j'ai dit ça sera لا rédaction دو lettre دو demande d'autorisation. ولكن قبل ما نبدا الدرس تنبغي نعلن لجميع التلاميذ ان القناه غادي تقدم دروس في اللغه الفرنسيه لجميع المستويات ديال الاعدادي يعني ديال الاولى اعدادي ثانيه اعدادي وثالثه اعدادي وغادي يكونوا دروس كذلك ديال لا كوميونيكاسيون ديال التواصل فمرحبا بالجميع أه سورتو في الويكاند يعني السبت الاحد غادي يكونوا عندنا دروس ديال لا كوميونيكاسيون وطبيعه الحال وسط الاسبوع كاينين دروس خاصه بالمقررات ديال سنه اولى اعدادي وثانيه اعدادي وثالثة اعدادي مرحبا بالجميع اذا نبداو الدرس ديالنا اللي تيخص لا غيداكسيون دو ليتر دو دومون دوتورييزاسيون Donc, la rédaction du, du lettre de demande d'autorisation, en général, c'est une lettre administrative ou bien con, euh, conventionnelle. Donc, la lettre administrative, comme on a dit, c'est une lettre euh, qui est formelle, bien sûr. On doit euh, respecter la structure d'une lettre administrative. Alors, je rappelle de la structure du lettre administrative. Alors, en haut, à droite, il y a le lieu et la date. En haut, à gauche, il y a les coordonnées de l'expéditeur. En haut, à droite, sous le lieu et la date, il y a les coordonnées du destinataire. En milieu, légèrement à gauche, il y a l'objet, qui est toujours une phrase nominale. Et bien sûr, on commence euh, le corps de la lettre qui est le texte de la lettre donc ça commence toujours par une formule d'appel et finit par une formule de politesse et bien sûr lorsqu'on écrit le corps de la lettre on doit respecter la linéa en bas à gauche il y a les pièces jointes et en bas à droite il y a la signature donc on va commencer maintenant alors par exemple on va demander l'autorisation d'utiliser la grande salle du collège. N'importe quel collège. Bien sûr, on va demander à M. le directeur du collège d'utiliser ou bien d'exploiter la grande salle pour organiser un événement, une activité, ou bien euh, pour organiser euh, une journée dans le cadre des activités d'un club. Bien.

Nadilbe Ali, tu dois juste éditer maintenant. Donc c'est une lettre de demande d'autorisation envoyée par le club de l'environnement à Monsieur le directeur du collège. Nadilbe a, t'as bien dit qu'il faut qu'il mide où il a dit la lettre de demande d'autorisation. Il a dit mide où il a dit briquet, bien t'as bien dit que ça se confirme sur le a dit que tu as une lettre ادمنستراتيف لان الرساله غادا تمشي من عند لو كلوب دو لونفيرونمون غادي تمشي لعند السيد المدير السيد المدير فين تيتواجد تيتواجد في الاداره اذا الرساله غادا الاداره اذا خصها تكون رساله اداريه او لتر ادمنستراتيف بون اون كومونس ا ليف باغ اكزومبل يسابيل احمد Ahmed euh, Tarek, par exemple. Alors, il va écrire son nom et son prénom en haut à droite, puisque lui, c'est l'expéditeur. Qu'est-ce qu'il représente, Ahmed Tarek, je me il représente le Club de l'environnement. Donc, on va écrire représentant. Représentant. du club de l'environnement. Bien sûr, on va dire par exemple collège et on va donner le nom du collège et ici la ville, la ville où se trouve le collège et là en haut à droite on a déjà vu comment on écrit la lettre administrative on a dit que en haut à droite on écrit les coordonnées du destinataire and and monsieur le directeur and le moudir donc on va dire à ah, monsieur il essaye à ah, monsieur le directeur du collège. On donne le nom du collège et on écrit le nom de la ville. Là, c'est le nom du collège et ici, c'est le nom de la ville. Voilà. Alors, après, on doit écrire l'objet. On a dit que dans une lettre administrative, l'objet se trouve au milieu, légèrement à gauche. Alors ici, objet. On a dit que l'objet, c'est une lettre, ou bien, pardon, c'est une phrase nominale. Donc, demande. Phrase nominale, ça veut dire, ça commence par un nom. Demande, c'est un nom. Ça vient du verbe demander. Le nom, c'est la demande. Donc, on écrit demande d'autorisation. Demande d'autorisation. Voilà. Après, on doit commencer le corps de la lettre. Alors le corps de la lettre, comme on a vu, ça commence par une formule d'appel. Monsieur le directeur. Le directeur. Et on revient à la ligne. On commence à écrire. Alors, dans le cadre, dans le cadre des activités, je reviens à la ligne. Lorsque je reviens à la ligne, je dois respecter la linéa. Donc je ne dois pas commencer à ce niveau, mais je dois commencer à ce niveau, par exemple. Donc dans le cadre des activités du club, du club de l'environnement. Alors euh, je dois expliquer un petit peu cette première phrase dans le cadre des activités du club de l'environnement. Alors le, le club de l'environnement il a des activités le long de euh, l'année, c'est-à-dire à la tour, ça a ando anshita. Men bin had l'anshita hadi, kayen had nachat li tan tkelmo alih al'an. Donc had nachat huwa nachat men bin l'anshita li le club de l'environnement, li had nadi l'bi'a. Et la scène, ça c'est un cadre. Donc, dans le cadre des activités du club de l'environnement, il y aura une journée, par exemple, une journée il y aura une journée dédiée aux élèves de notre établissement de notre établissement Pour les sensibiliser, pour les sensibiliser au danger de la pollution. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? j'ai essayé d'annoncer l'activité, ou bien l'événement, ou bien la journée. Donc l'activité ou bien l'événement, c'est quoi C'est une journée. On va, le club de l'environnement va organiser une journée. Donc on commence par l'annonce de l'événement ou bien de l'activité. Donc c'est pour cela que j'ai dit, dans le cadre des activités du club de l'environnement, il y aura puisque l'activité sera organisée dans le futur. Donc il y aura une journée dédiée aux élèves de notre établissement pour les sensibiliser aux dangers. Danger, bien sûr, c'est avec S de la pollution. Et après l'annonce de l'événement, on doit annoncer aussi la date. Alors je vais dire par exemple, le. 3 janvier 2021 point maintenant je demande l'autorisation donc nous, nous avons l'honneur nous avons l'honneur de vous demander... De vous demander... Alors pourquoi j'ai utilisé le pronom personnel nous Parce que c'est au nom du Club de l'environnement. Donc c'est un ensemble d'élèves. Bien sûr, euh, qui sont euh, des membres du Club de l'environnement. Nous avons l'honneur de vous demander. Le vous, il représente le directeur à qui on demande l'autorisation. Bien sûr, on doit lui parler poliment. C'est le vous-voiement. Même si c'est une seule personne, on doit lui dire vous pour lui parler poliment. Donc, nous avons l'honneur de vous demander l'autorisation. L'autorisation. L'autorisation d'utiliser la grande salle, la grande salle de l'établissement de l'établissement. Voilà. Alors euh, j'ai terminé le premier paragraphe. Bien sûr, euh, vous remarquez que j'ai essayé d'annoncer l'événement, la date de l'événement. On peut aussi annoncer l'heure de l'événement, c'est-à-dire l'heure du commencement de l'événement. Mais ce qui est essentiel ici, c'est annoncer l'événement et demander l'autorisation. Alors après avoir terminé le premier paragraphe, on va commencer le deuxième paragraphe. Alors euh, c'est une lettre administrative adressée à M. le directeur du collège et bien sûr c'est une demande d'autorisation. Donc M. le directeur du collège, il doit avoir une idée sur les élèves qui vont veiller sur l'organisation de cette activité. Il y على التلاميذ اللي غادي يسهروا على التنظيم ديال هذا النشاط إذن غادي نقول له في الرساله ديال طلب الترخيص بان غادي له مع الرساله مع هذه الرساله هذه غادي له اسماء التلاميذ الذين سيسهرون على التنظيم سيتادير لي زليف كي فون فيي سور لورغانيزاسيون دو لاكتيفيتي دونك اون فالوي دير Vous trouverez, et bien sûr, lorsque je commence un nouveau paragraphe, c'est le deuxième paragraphe, vous remarquez que je dois respecter la linéaire. Donc, le vous, le V, il est au même niveau que le D du mot dans par lequel j'ai commencé le premier paragraphe. Donc, je ne dois pas commencer à ce niveau, je dois commencer à ce niveau pour avoir la linéaire. Donc, euh, vous je m'adresse toujours à monsieur le directeur. Vous trouverez. Alors je conjugue le verbe trouver au futur simple parce que monsieur le directeur, il va recevoir la lettre dans le futur. Vous trouverez 6 juin. Vous trouverez 6, 6 juin. C'est-à-dire, vous allez recevoir la lettre. Et avec la lettre, il y aura une liste des élèves qui seront chargés de l'organisation. C'est-à-dire que si on dit « Seyid Moudir », bien sûr, « Setejidouna rufqat hadihi risala la'ihabi asma' talamid ladina sayasarouna ala attandim » Vous trouverez si juin la liste. Alors, je reviens à la ligne. Je suis toujours dans le deuxième paragraphe, je reviens à la ligne. Donc je commence à ce niveau. Alors la liste vous trouverez ici si joint la liste des élèves des élèves qui seront chargés de l'organisation de l'organisation voilà voilà ça c'est le deuxième paragraphe faut la maintenant j'entame le troisième paragraphe bien sûr j'ai dit l'essentiel ce que je veux dire je l'ai dit maintenant je dois exprimer les salutations et le respect à monsieur le directeur puisque ça c'est une lettre administrative donc bien sûr c'est une formule de politesse à la fin donc dans l'attente puisqu'on on est en train d'adresser une lettre donc on va attendre la réponse donc dans l'attente c'est un nouveau paragraphe. Vous remarquez que j'ai essayé de respecter la linéaire. J'ai pas commencé à ce niveau. J'ai commencé à ce niveau. Dans l'attente d'une réponse, d'une réponse, je reviens à la ligne, favorable, Veuillez. Bien sûr, veuillez, c'est le verbe vouloir conjugué à l'impératif et on l'utilise comme ça pour parler à quelqu'un poliment. Quand je veux dire par exemple à quelqu'un d'entrer, quand je veux lui parler poliment, je lui dis veuillez entrer s'il vous plaît. Donc là, je parle au directeur, donc je lui dis veuillez agréer. Veuillez agréer. Nos salutations. Nos salutations respectueuses. Respectueuses. Voilà. Ça, c'est le dernier paragraphe. C'est la formule de politesse. C'est un, un exemple d'une formule de politesse. Je peux avoir une autre formule de politesse. Je peux lui dire, par exemple, dans l'attente d'une réponse favorable ou bien dans l'attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Directeur, nos sentiments distingués ou bien nos sentiments respectueux, etc. Donc, il y a plusieurs formules de politesse qu'on peut utiliser. Alors, j'ai fini ma lettre et maintenant... J'ai dit, euh, je dois me rappeler, je dois bien sûr me dire que j'ai dit à M. le directeur que je vais lui envoyer nous allons... Alors dans le deuxième paragraphe, bien sûr, on a dit que nous allons euh, envoyer à M. le directeur la liste des élèves qui seront chargés de l'organisation. Et donc, on doit euh, le mentionner dans notre lettre de demande d'autorisation. Donc, ça, c'est la partie des pièces jointes. Donc, en bas à gauche, en bas à gauche, on écrit PJ. On l'a vu dans la structure du lettre administrative. Donc, PJ, c'est pièce jointe. Un tiret. On a dit dans le deuxième paragraphe que nous allions envoyer la liste des élèves qui seront chargés de l'organisation. Donc on va lui dire liste des élèves chargés de l'organisation. Et en bas à droite, comme on a vu dans la structure, en bas à droite, il y a toujours la signature. Donc on écrit signature, ou bien signé avec E accent. Donc signature. Le nom de l'élève qui écrit euh, la lettre euh, de demande d'autorisation, on a dit que c'est par exemple Ahmed Taheri. Ahmed Tarek. c'est le représentant du club de l'environnement. Alors on écrit ici représentant du club de l'environnement. Et on signe. La signature, il est obligatoire parce que c'est une lettre administrative. Voilà. Donc on a fini notre lettre de demande d'autorisation. Nous avons oublié une chose, c'est que au début, on doit écrire le lieu et la date. Alors, le lieu par exemple, c'est le nom de la ville où on est. Et puis la date par exemple, c'est le 14 décembre 2020. Voilà, le lieu et la date, c'est toujours en haut à droite. Voilà. Donc ça, c'est une application, euh, bien sûr, de ce qu'on a dit concernant la rédaction des lettres administratives. Et c'est une pratique en même temps. Donc tout ce qu'on a dit, il est bien sûr euh, pratiqué ici, il est appliqué dans la lettre que, que nous avons écrite. Que nous avons rédigé. Alors vous remarquez qu'il y a les coordonnées de l'expéditeur en haut à gauche, les coordonnées du destinataire en haut à droite, sous le lieu et la date. Il y a l'objet qui est une phrase nominale, demande d'autorisation, et puis le corps de la lettre qui commence par une formule d'appel et finit par une formule de politesse. Et bien sûr, lorsqu'on a écrit notre lettre, on a respecté la ligne A. En bas à gauche, il y a les pièces jointes. Et en bas à droite, il y a la signature. Voilà. Donc, ça, c'était, euh, bien sûr, un exemple de la rédaction d'une lettre de demande d'autorisation. Bien sûr, comme j'ai dit, c'est une pratique euh, pour bien appliquer ce qu'on a dit concernant la rédaction d'une lettre administrative en général. Donc, euh, la prochaine fois, on va essayer de voir comment on écrit une lettre d'invitation. Hein, euh, parce que la prochaine euh, leçon sera euh, consacrée à la lettre d'invitation. Voilà. Alors, comme je, je vous ai dit au début, euh, bienvenue à tous les élèves du collège. Hal نديرو دروس خاصة بسنوات ثلاث ديال الإعدادي أولى إعدادي تانية إعدادي والثالثة إعدادي و الحال غادي يكونو دي لوسون دو كومونيكاسيون في آخر الأسبوع السبت و الحد دائما غيكون درس من دروس ديال التواصل ديال لا كومونيكاسيون الحال في طيلة ايام الاسبوع او في ايام الاسبوع بعض أيام الاسبوع غادي تكون دروس ديال احدى سنوات الاعدادي اما أولى اعدادي او ثانية اعدادي او الثالثه اعدادي وغادي نركزوا اللي غادي يقرب الامتحان الموحد ديال سنه الثالثه اعدادي غادي نركزو على دروس سنه الثالثه اعدادي اذا ما تنساوناش باللايك ديالكم ما تنساوناش آه في لي زابونمون لي زابونمون ديالكم راهو مازالين ناقصين كيما قلت في البدايه اذا حاولوا تدعمونا بلي زابونمون وحاولوا تدعمونا بلي لايك وتنشكركم على الانتباه ديالكم تنشكركم على الدعم ديالكم والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله السلام عليكم